c'était? Hein? J'ai cru entendre quelque chose? Je devrais arrêter de faire des gardes de nuit, moi. Ah! Halt! Alerte! Renfort dans le secteur 17! On a un problème très grave. C'est un garçon qui... Pire que ça, l'entraîneur de l'équipe de foot du lycée a pris sa retraite et il n'y a personne pour le remplacer. Vous savez ce que ça veut dire? Plus d'entraîneur, plus d'équipe. Ben non, et c'est un drame. Le foot, c'est toute ma vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai la solution. Tu pourrais t'inscrire à mon club maths et marathon. C'est trop cool. Qu'est-ce qu'on fait dans ce club? Pour chaque équation polynomiale résolue, tu cours 2 km et la première à avoir couru 60 km a gagné. Algèbre et courses d'endurance, c'est pas du tout mon truc ça. Rejoins plutôt mon club des victimes de la mode. Nous sommes d'utilité publique puisque nous prodiguons des conseils à celles qui veulent être tendance. Ça me touche que vous essayez de m'aider mais... C'est le foot ou rien. Excuse-moi, où est le local des sports du lycée s'il te plaît? Ah, le cercle des griffons. J'ai vu tous leurs matchs. J'ai beaucoup aimé cette équipe. Oui, elle était exceptionnelle. Mais elle a été dissoute et ses membres ont été dispersés. C'est dingue, on a tellement de choses en commun. Tu dois être un nouvel élève. Pas du tout, mais ça me flatte d'être encore prise pour une lycéenne. En fait, je suis le nouvel entraîneur. Oh, un nouvel entraîneur de foot, génial. Je m'appelle Bonita Bicam. Je vais vous conduire tout de suite à l'association sportive. Olé, 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 olé. Bête. J'ai une super nouvelle à vous annoncer. On est dispensé de cours quand on se casse un ongle. Tu sais résoudre les équations du second degré? Non, rien à voir avec ça. Le lycée a engagé un nouvel entraîneur de foot. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on ira aux fêtes de fin de match données par l'équipe de foot des garçons. J'adore! Il me faut de nouvelles chaussures à crampons pour assurer sur le terrain. Ah, enfin, je te retrouve, mon Alex. Vite, fonçons au groupe. C'est pas dans cette direction! Ah, vous voilà, mesdemoiselles. J'irai droit au but. La nuit dernière, on a cambriolé un laboratoire de haute technologie. Une seconde. Bonjour, Jerry. Vous avez une piste? Non, les vigiles n'ont pu ni nous donner le signalement du suspect, ni nous préciser ce qu'il a volé. Ils n'ont vraiment pas le sens de l'observation. Eh oh! Allô? On est là, coucou! Vous pourriez vous arrêter une seconde de taper sur ce clavier, Jerry? Non, je rédige un rapport urgent. Ouais! Youpi! Depuis quand rédiger un rapport déclenche tant de joie? Gladys, passons au gadget. Distribution, allons-y. Bracelet de charme multifonction et budget propulsé. Bonne chance, les Spice. Les copines, c'est moi ou on dérange? Oui, je crois qu'on dérange. Désolée, Jerry, mais cette mission devra attendre un peu. J'ai une sélection pour le foot aujourd'hui. Bon, très bien, alors arrangez-vous comme vous le voulez, mesdemoiselles. Qu'est-ce qu'il a? Je ne connais pas notre Jerry. Je voudrais pas vous importuner, mais on peut savoir ce qui se passe ici. C'est pas une réponse, hein? Croyez-moi pour ma sélection. Le coup du chapeau. Piégé. L'effort extrême. Paresseuse, vous croyez que c'est le moment de faire la sieste? Voilà ce que j'appelle dribbler. Bravo, les filles. Ça y est, madame, j'ai mis ma tenue, je suis prête à jouer.
Au secours, c'est la honte. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux prétendre à être membre de cette équipe, ma petite? Je viens de créer ma propre ligne de survêtements en cachemire. Habillée comme ça, je ne pense pas faire tâche sur le terrain. Allons-y, mesdemoiselles, coup d'envoi. Avec joie, c'est moi qui engage. Mon prototype est fichu à cause de toi! Mandy, monte sur les gradins. On va former deux équipes de trois joueuses. Alex, Jackie et Eva, vous jouerez ensemble contre les trois autres. Que la meilleure équipe gagne! J'ai vu ce que je voulais voir. Alex, Jackie et Eva, vous formerez la nouvelle équipe du lycée. Excusez-moi, Madame Bicam, mais une équipe de foot ne peut pas être composée que de trois joueuses. Vous serez quatre fois plus fortes que les autres pour compenser. Point final, mesdemoiselles. À la douche. Alors, ça s'est bien passé? T'as été sélectionnée? Oui, je vais jouer avant-centre. Tu vas faire gagner l'équipe. Alex va être championne de baseball. De football, Clover, nuance. Quelle est la différence? Puisque t'en as fini avec la sélection, on passe à la mission? Désolée, la sélection est peut-être terminée, mais l'entraînement commence dans 10 minutes. Salut! Bon, je suis très contente pour elle, mais elle va pas s'entraîner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours. Je sais pas, mais pour le cambriolage du labo, mieux vaut enquêter sans elle. Pourquoi on n'entre pas par la grande porte? Parce que le coupable est peut-être quelqu'un qui travaille ici. On a 4 minutes avant que le garde finisse sa ronde. 4 minutes pour chercher un truc dont on ne sait rien? Je crois que j'ai trouvé un indice. Regarde, Clover. Oui? Un bout de globe cassé. Oui, sans doute, mais qu'est-ce qu'il contenait? Comme dans les autres, probablement une puce électronique. J'envoie ça à Jerry pour qu'il l'analyse. Bonsoir, Jerry. J'allais justement... Bonjour, bonjour. On vient d'informer le groupe que les propriétaires des deux magasins de sport avaient disparu. Gloriana et Alan Mills ont sans doute été enlevés. Personne ne les a vus depuis plusieurs jours. Pardon, vous voulez répéter, Jerry? Oui, votre voix est couverte par tous ces bips. J'envoie l'info dans vos compoudriers. Bonne chance, Spice. Vu son manque d'implication, il va nous falloir de l'aide. J'appelle Alex. Je ne laisserai pas de message à l'épicentre, Alex. Je crois qu'on dit avant-centre. Oh, c'est pareil. Maintenant, seul le foot l'intéresse. Il faut que je me fasse une tête blanche, gonflable, à cœur ou noir, pour qu'elle m'accorde de l'attention. Je sais pas, mais pour les enlèvements, on ferait mieux d'enquêter sans elle. Et quelqu'un qui a des accès de colère. Ou qui déteste le sport autant que moi. Hé, Clover, regarde ça. Alain Mills et Gloria Knight ont gagné le championnat des espoirs féminins du football en Belgique. Ça devait être d'excellentes joueuses. Oui, Alain Mills était une des plus fortes. Meilleure joueuse mondiale dans sa catégorie. Gloria a fait couler ses premières chaussures dans du bronze. J'ai l'impression que le monde entier ne vit que pour le football. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! J'ai l'affreuse impression d'être épiée par quelqu'un. Vite, essayons de trouver un indice. Il y a une empreinte de chaussure à crampons ici. C'est peut-être celle du ravisseur. Je vais la scanner. Oh! Oh!
jouera au détective plus tard. On a des trucs à faire. Quelle force de frappe surhumaine! Comment vous faites pour avoir une telle puissance? Il faut sortir d'ici, il y a urgence. Derrière toi, Sam! Oh, c'était moins une. Bon, ça suffit. Maintenant, on a vraiment besoin de l'aide d'Alex. Allez, contacte-la. C'est pas croyable. Elle est encore au lycée? Mais il est presque minuit. Elle s'entraîne encore? C'est de l'acharnement. Oui, il faut arrêter ça. Allez, les filles. Un coup de tête maîtrisé, c'est un but assuré. Désolée de te déranger, Alex. On a un truc à te dire. T'as une seconde? Tu penses pas que tu t'investis un petit peu trop dans le foot? C'est fini, les entraînements 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est vrai que j'ai refusé de remplir une mission, j'en suis désolée. Mais soyez tranquille, ça va changer. Oh, bah ça fait plaisir d'entendre ça. Et à partir de quand? Quand notre équipe gagnera le championnat régional dans 2 mois. Ah, je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai les résultats d'analyse. Le globe brisé protégeait une puce expérimentale qui décuple littéralement l'agressivité humaine. Alors là, je m'attendais pas à ça, Jerry. Nous avons aussi identifié la chaussure à crampons. C'est un modèle haut de gamme, très rare, fabriqué au Portugal par la corporation Forca. Forca? Alex vient d'acheter la première paire en vente à Beverly Hills. Oh, dans ce cas, elle a dû accidentellement laisser une empreinte lorsque vous enquêtiez ensemble. Merci pour ces informations. Il faut éclaircir ça. Pourquoi y a-t-il une empreinte d'Alex au magasin? Elle n'était même pas là. C'est vrai? Tu n'aurais pas quitté l'entraînement par hasard? Mais non, j'ai joué au foot toute la journée. Demandez à Madame Bicam. Il est temps de donner à ces petites fouines une sérieuse leçon de foot. Croyais que le foot n'était pas un sport de contact, j'avais tout faux. Ah, je lui mettrais bien quelques tirs au but à l'entraîneur. Où est-ce qu'on est? À en juger par ces cases aux extrémités du terrain, je dirais. De mon pire cauchemar. On va sortir d'ici avant qu'elle ne nous reprenne pour cible. Ah, t'aurais pas 2 paires de protège-tibia? Vous vouliez vous en aller? Pas si vite, on allait commencer à s'amuser. On a dû gérer pas mal de mégalos, mais on n'aurait pas imaginé affronter l'entraîneur du lycée. J'aurais dû être une grande footballeuse, mais on m'a exclue du championnat des espoirs féminins sous prétexte que je manquais d'agressivité. C'est une faiblesse qu'on ne peut plus me reprocher maintenant. J'ai formé des joueuses acharnées et redoutables. Et je les ai utilisés pour capturer mes anciennes coéquipières. Allez, Gloria, je vais pouvoir prendre ma revanche dans un match dont l'issue leur sera fatale. Tous les méchants qu'on pourchasse veulent détruire les autres. Un coup de
tête maîtrisée, c'est un but assuré. La Bicam doit contrôler et manipuler le mental d'Alex. Ou elle m'en veut encore de lui avoir mis des épluchures de cacahuètes dans son lit. Le match va commencer. À vos places. Que les plus agressives remportent la victoire. Allez, mon équipe. Oh, vite. Sam, j'ai besoin de renfort. Le blocage, c'est pas du jeu, y'a pas d'arbitre. Laissez-moi passer. Se venger. Alors là, il y a faute, j'ai droit à un coup franc. Génial. Peut-être qu'on devrait ajouter le foot à nos techniques d'attaque. Je ne serai pas dans les buts. Je suis sincèrement désolée, Alex. T'es désolée, mais pourquoi c'est moi qui ai créé des problèmes avec ma passion pour le foot? Gloria et Halley sont saines et sauves et le Whoop a effacé ce match de la mémoire des joueuses. Je m'inquiète pour toi surtout. Bonita Bicam est derrière les barreaux et il n'y a plus d'entraîneur au lycée. Oh, c'est pas grave, j'ai fait tellement de foot que ça peut attendre. Après tout, je pourrais peut-être intégrer le club de Sam, maths et marathon. Au lieu d'intégrer mon club victime de la mode, t'as choisi maths et marathon. Oh, t'es aussi irrécupérable que Sam. Je suis heureux de vous voir, mademoiselle. Pour nous voir, il faudrait nous accorder un regard. Bon, avouez-nous ce que vous faites, Jerry. Qu'est-ce qui vous absorbe au point de ne plus lever le nez de votre ordinateur?
Pour emprunter votre langage, je suis accro à un jeu vidéo. Un jeu de football, pour être exact. Vous faites une partie, on joue à 3 contre 1. Ça, c'est notre truc à nous, les hommes. Et voilà, c'est fini. Demain, le barbecue de Bill va enfin pouvoir ouvrir ses portes à la clientèle. C'est quoi, ça? Un petit coup de vent. Je vais aller vérifier le stock de viande. Pour être sûr que demain, j'aurai tout ce qu'il faut. Bon. Lâchez-moi, espèce de vaurien! Super, j'adore ces vieux ponts de bois suspendus. Moi aussi, ils sont totalement romantiques. Et totalement attaqués par les vers. Pourquoi les criminels contre-attaques n'ont pas choisi celui-là? C'est pas vrai. La corde me scie les doigts, c'est un désastre pour mes mains. Lâche tout, Clover, saute, on a besoin de ton aide. Quoi? Avec la fonte des glaces, l'eau de la rivière est devenue boueuse. Pas question que je plonge là-dedans. Dépêche-toi, on tiendra pas longtemps comme ça. Si, vous allez vous en sortir. Vous êtes des super spice, ne l'oubliez pas. Mais je venais de me faire un brushing. Et vous savez que l'eau froide me fait des frisottis. T'as préféré sauver ta coiffure que tes meilleurs amis? Ouais, super tes priorités. D'accord, vous m'en voulez, mais vous êtes saine et sauve. Moi aussi, et le criminel est sous les verrous. Alors peut-être qu'on pourrait oublier ce petit incident. Non! Le problème avec toi, Clover, c'est que t'es le genre de fille qui a peur de te salir les mains. Oh mais non, pas du tout. Moi, je suis le genre de fille qui affronte les problèmes de front. Ah oui, tu les as affrontés quand tu m'as fait appeler en classe alors que j'étais en plein contrôle parce qu'il y avait une petite araignée dans ton casier. Et c'est pas toi qui as chassé le fleuriste qui venait livrer le bouquet parce qu'il sentait le ver de terre? Et puis c'est comme bon, la fois... Va, je reconnais que je suis un peu délicate parfois. Mais vous oubliez toutes les fois où j'ai été présente pour vous. Vous êtes mes meilleures amies, je vous adore. Vous pourrez toujours compter sur moi. On a peut-être été un peu sévère avec toi. Tu m'aides à enlever cette boue? Je peux pas toucher ça. J'imagine les bactéries qu'il y a là-dedans. T'es une princesse. Merci, je sais. Je crois pas que ce soit un compliment. D'accord, vous verrez. Je vous donnerai la preuve que je n'ai pas froid aux yeux. À la prochaine mission, j'affronterai même les araignées. Oh, j'ai hâte d'y être. Je ne vous ai pas fait venir pour parler mode, mais depuis quand la saleté est-elle du dernier chic? Non, depuis une vingtaine de minutes, quand Sam et moi, on est tombés dans un torrent en colère. Oui, mais tout s'est bien terminé. Dans ce cas, n'en parlons plus. Alors, voici pourquoi j'ai fait appel à vous. Plusieurs personnes ont disparu dans une petite ville rurale. Un boucher, une vendeuse de chaussures et plus récemment, le propriétaire d'un nouveau restaurant grill. Vous avez un suspect ou bien une piste? Non, mais des indices étranges. On a trouvé des carottes et des brocolis sur le lieu de chaque enlèvement. Moi, il en faudrait plus pour me surprendre, même si je trouve ça effrayant. On va éclaircir ça. Il vous faut des gadgets pour cette mission. Gladys? Vous disposerez du boîtier désintégrateur Sonic, des bottes à semelles adhésives et de 3 serre-têtes lampes frontales. Oh, c'est formidable, on dirait une lampe de spéléologue, mais en beaucoup plus laid. Mesdemoiselles, soyez prudentes et tenez-moi informée. Vous informe qu'on est parti, Jerry! Ni centre commercial, ni centre de Thalasso. Je m'ennuie déjà, rien qu'en survolant cette campagne. Où on se pose, Sam? Alors, d'après mes recherches, cette ferme est la seule à avoir des cultures à la fois de carottes et de brocolis. Bon travail de détective. Et en plus, les plants de maïs, ce sera très bien pour cacher l'hélico.
piste d'atterrissage. Les soies de ces épis sont... Elles sont quoi, Clover? Oui, qu'est-ce qu'elle peut bien penser des épis de maïs, une fille qui affronte les choses? Oh, avant que vous me coupiez la parole, j'allais dire qu'elles étaient très efficaces contre... les fourches capillaires et qu'elles donnaient un look authentique. Ah, je vois. Tu nous prends pour des nunuches? Vous entendez ça? Oui, j'entends, mais je ne vois rien à cause de ce merveilleux maïs. On va chercher d'où ça vient. Mais avant, changeons-nous, au cas où on nous verrait. En fait, c'est bien les imprimés à carreaux. On est très mignonnes. Et surtout bien plus discrètes. Je vais chercher d'où vient ce bruit bizarre. Bonne nouvelle, je vois une ferme. Waouh, le boîtier désintégrateur Sonic est aussi une super tondeuse. Mais lâchez-moi. Je lui ai arraché le bras, j'ai trop honte. Hey, c'est du brocoli, un des légumes indices. Au secours. Accroche-toi, Alex. Désolée, on a effrayé tes agresseurs, c'est déjà ça. Ouais, mais pourquoi on m'a agressée? J'aurais cru qu'on était plus accueillants à la campagne, hein? Qu'est-ce que vous faites sur mes terres? Bonjour, ce qu'on fait? On cherche à travailler dans une ferme, vous nous embauchez? Est-ce que vous avez de l'expérience? À revendre, on sait traire les vaches, préparer la pâtée des cochons, jeter des graines aux poules. Enfin, on aime beaucoup salir les mains, hein les copines? Ouais, c'est vrai, on adore. On ne les trouve jamais assez sales. Sachez qu'il n'y a pas d'animaux dans ma ferme. Moi, je fais les fruits et les légumes. C'est encore mieux parce que je suis végétalienne. Hein? Vu que vous êtes de bonne volonté, je vous donne une chance. Je fais tout seul et j'aurais bien besoin d'aide. On va voir qui aime le plus se salir les mains maintenant. C'est un défi, ça? Vous le relevez? Et comment? Alors ça, c'est ce que j'appelle se salir les mains. Pleine de courbatures, j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. J'en reviens pas qu'on ait passé la journée à travailler dans les champs au lieu de faire de l'espionnage. C'était de la recherche. Il faut vivre comme des vrais fermiers pour penser comme eux. Et si c'est comme ça qu'ils vivent, je veux rentrer à la maison. J'ai vu une araignée. C'est une ferme, Clover. Tu pensais pas que John pouvait nous offrir un sac étoile? Non, je ne m'attendais pas à un palace, mais là, du point de vue confort, c'est zéro. Moi, je suis tellement fatiguée que je dormirais debout s'il le fallait. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Le fermier nous a dit qu'il était tout seul. Alors, qui sont ces garçons? Ça, j'en sais rien, mais ils sont trop mignons. Je vais peut-être voir autrement la vie à la ferme. À mon avis, ce sont ses fils. John et ses garçons se ressemblent comme une portée de lapin. Cette photo est datée du mois dernier. Où sont-ils passés? Vous avez entendu? C'est le même bruit que tout à l'heure. Oh, ils semblent venir de cette vieille grange. Oh, on progresse. Du style rustique, on passe au style délabré. Oh, je veux rentrer. C'est charmant, on dirait une maison hantée. Et en plus, il y a du vent et des nuages menaçants. Allons voir à l'intérieur. Attends, t'as déjà vu des films d'horreur, Sam? Il se passe
souvent des trucs horribles dans les granges. Oui, mais nous on joue dans un film d'espionnage et on doit assurer. Je déteste quand elle a raison. Voilà d'où vient le bruit qu'on entendait. Oui, mais ça ne nous explique pas à quoi sert cette installation. Bonsoir et bienvenue chez moi, exploitant d'animaux. Ce que vous allez vivre changera à jamais votre comportement. Libérez-moi tout de suite, espèce d'éleveur de Macédoine de légumes. Pour l'instant, vous êtes en colère, mais croyez-moi, après la transformation, vous serez beaucoup plus heureux qu'avant. Oh, même mes propres fils portaient du cuir et étaient carnivores comme vous l'êtes encore. Mais depuis la transformation, ils sont de sympathiques soldats de mon armée végétalienne. Oh, je voudrais bien savoir ce qu'il appelle transformation. Oui, et aussi ce qu'il appelle son armée végétalienne. Naturel. Quel gâchis! Des intruses! Capturez-les! Bravo! Maintenant, il nous a pris pour cible! Il fallait que quelqu'un proteste! C'est criminel d'avoir transformé ces garçons en légumes! Qui aurait dit que c'était aussi agressif une carotte? Arrière, brocoli mutant! C'est plus à la mode, les manchons! Même si vous êtes à croquer, on va tous vous transformer en soupe de légumes moulinés! Je crois qu'ils ont compris. T'es sûr qu'ils ont compris? La seule chose qui soit pire que la consommation de viande, c'est l'espionnage. Mais soyez tranquille, bientôt vous verrez les choses comme moi. Vous m'excuserez, mais j'ai un doute là-dessus. Jamais nous n'accepterons de collaborer à votre projet alimentaire débile. Vous n'aurez pas le choix, mesdemoiselles, lorsque ma centrifugeuse aura combiné vos gènes à ceux des légumes que je produis. Maintenant, mes fils et moi, on va vous laisser. On a un éleveur de porc du coin à recruter. Je comprends ce que doit ressentir un demi-litre de lait quand on va le transformer en milkshake. Oui, moi aussi. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de sortir de là. Devrait s'arrêter, qu'est-ce qu'il croit? Qu'avec un tracteur, il peut semer un hélicoptère?
Nico, il veut transformer tous les humains en végétaliens. Ça prouve qu'il a un petit poids dans la tête. Aucun souci, j'ai un plan imparable. Embarquement immédiat de 3 nouveaux passagers. Elles ne peuvent pas m'attraper. Mon tracteur marche au maïs synthétisé. Mais c'est lent, s'y attendez pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il veut jouer? D'accord, on va jouer. Cette pince géante est plus difficile à manipuler que je croyais. Essaye encore une fois, ça va fonctionner. Gagné! T'es trop forte, Clover! Maintenant, je n'ai plus qu'à les hisser à bord. La charge est trop lourde! Il y a des jours, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, la boue vous rattrape et vous salit. Sam! Non, non, un gentil petit cochon là! Reculez! Allez, rentrez chez vous, hein, à la niche! Aidez-moi, au secours! Je suis cernée! Je mangerai plus de jambon, je promets! Ça va, les copines? Non! Et ça n'ira pas tant que tu ne viendras pas nous sauver! Une chose à faire dans ces conditions, c'est de vous salir les mains, les pieds et tout le reste. Oh, je ne veux même pas penser aux horribles microbes qui pullulent là-dedans. Accrochez-vous. Allons-y, il faut à tout prix arrêter la famine macédoine. Tu veux dire au revoir à tes porcs, monsieur l'éleveur? Tu vas être transformé. On se lance à trois. 1, 2, 3. Je le tiens. Lâche-moi. Pas si vite, jeune fille. J'ai été champion de prise au lasso. J'attrapais une bête à 200 mètres. Et moi, j'ai été championne des Pom-Pom Girls de Beverly cette année. Hé, mais où est-elle passée? Je suis là. On remet votre titre en jeu. Avec ça, il va se tenir tranquille. Waouh, t'as de l'entraînement, t'attrapes les garçons comme ça. Maintenant que le père est neutralisé, il nous reste nos petits légumes à maîtriser. Calibré et livré. C'est fini. Oh, peut-être pas, non? Le fermier s'échappe. Bon, très bien. La reine des travaux agricoles va vous l'emballer. Oh, on joue au petit poissonneur. Et voilà le travail. Quand Clover décide d'affronter les choses, rien ne peut l'arrêter. Relâchez-nous!
Excellent travail, mademoiselle. Vous êtes sûr que ça va fonctionner, Thierry? Nous l'espérons, parce que ces humains légumes commencent à moisir, ce qui pose un sérieux problème. Étrange est officiellement classé. Pas encore, non. On a un petit cadeau pour toi. Oh, un petit cadeau pour moi? Merci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et tu verras. Un week-end de soins relaxants dans un spa. T'as vraiment fait le maximum pour nous aider. Ce qu'on voulait te dire, c'est qu'on est désolé d'avoir douté de toi. Et te remercier d'être venu nous sauver sans hésiter à affronter d'horribles microbes. Oh! Ils proposent des bains de boue détoxifiants, des masques de boue exfoliants, des cataplasmes de boue apaisants. Oh. Tu vas passer 2 jours totalement immergé dans la boue. Oh, mais c'est extraordinaire, non? Merci, mais je viens de profiter au maximum des bienfaits de la boue.